toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va être un petit peu différente des autres. Comme vous pouvez l'apercevoir, on n'est pas au potager aujourd'hui, on est en intérieur. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est toujours l'hiver et que pour l'instant on n'a pas grand chose à faire dehors. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu de rangement. Alors n'ayez pas peur, du rangement on va parler de graines. Donc jusqu'alors moi mes graines je les rangeais dans des petits pots comme ceci. Pouf, pouf, hop, comme ceci, cela. Donc ça a l'avantage d'être joli, de bien présenter vos graines, de quand même bien les identifier. Mais ça a un inconvénient de taille, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Surtout si, comme moi, vous avez tendance à collectionner un petit peu les variétés, les espèces, vous allez vite avoir des boîtes, justement. Donc l'idée, c'est de trouver une solution un peu plus économe en place pour ranger vos graines. Donc j'ai trouvé ça sur internet, ça consiste à faire des petites pochettes en papier. Donc, de partir de feuilles, comme ça, de simples feuilles de papier, pour réaliser des pochettes. Des pochettes comme celle-ci. Donc ça contient exactement la même chose en graines que les boîtes, sauf que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus petit. Donc vous pouvez en avoir encore plus, et les stocker beaucoup plus facilement. Donc c'est très facile à faire, j'en ai fait déjà pas mal. Donc aujourd'hui, on va voir comment réaliser ces graines. Donc place aux travaux pratiques. Donc pour la réalisation des pochettes, la base, ça va être un carré de papier. Donc si vous le faites vous-même et que vous partez d'une feuille A4, prenez bien soin à découper un carré. N'utilisez pas la feuille A4 entière en rectangle, ça ne fonctionnera pas. Vous avez aussi la possibilité, donc, comme je l'ai fait ici, de télécharger des modèles sur internet directement. Donc comme par exemple celui-ci du site autourdupotager.com. Donc l'avantage, c'est que vous allez aussi avoir des lignes qui vont vous aider pour le pliage. Donc ça vous facilitera la vie. Donc ma version ici est déjà pliée, et pré-pliée on va dire, donc c'est pour les besoins de la vidéo, pour que ça aille plus vite. Donc la première étape va être de plier notre carré en deux pour le transformer en triangle. Donc simplement, dans la diagonale, on marque un pli. Donc marquez bien les plis, c'est important, vous aurez un meilleur rendu de votre pochette à la fin. Donc voici, comme ceci, donc on a notre triangle. Donc une fois qu'on a notre triangle, on va rabattre ces deux parties-là vers le milieu. Voilà, une première fois, et une deuxième fois. Donc c'est important que ces deux morceaux aient la même taille et qu'ils tombent vraiment pile sur les bords. Si vous avez téléchargé un plan, vous pouvez vous aider ici, vous avez un repère, et vous suivez ce repère-là pour faire le pliage. Donc maintenant, on va mettre une patte dans l'autre, voilà, pour créer la structure de la pochette. Donc comme vous voyez, la pochette commence à prendre forme tout doucement. Il nous reste à plier encore ce morceau-là en deux. Voilà. On marque le pli. Enfin, à plier la languette que l'on va rentrer comme ceci. Et voilà, notre pochette est terminée. Donc maintenant qu'on a notre pochette, l'avantage c'est qu'on va pouvoir l'ouvrir, la fermer quasiment à l'infini. Donc on pourra l'utiliser d'année en année sans vraiment trop de problèmes. Donc la seule chose c'est que ça craint l'humidité, bon, tout comme les graines je dirais. Donc normalement ça ne doit pas être confronté à l'humidité. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre des graines à l'intérieur. Donc ici ce sont des graines de céleri, donc c'est vraiment des petites graines. Donc on ouvre. On remet la pochette dans ce format-là. On écarte les deux côtés. Voilà. Et simplement, on met les graines à l'intérieur. On replie. On remet la languette. Et voilà, c'est terminé. Vos graines sont rangées, elles sont en sécurité. Vous pouvez les stocker dans une boîte, peut-être même dans un classeur. Jusqu'à l'année prochaine. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple de réaliser ces petits sachets de graines. Donc c'est très pratique, surtout si vous récoltez vos propres semences au potager. Donc vous n'avez pas de boîte pour les mettre, donc créez ces pochettes. Mais également si vous échangez vos graines. Donc on voit fleurir de plus en plus des bourses d'échange de graines, ce qui est une bonne chose si vous voulez vraiment faire une belle collection de variétés. Et bien ces pochettes vous permettent à la fois d'échanger vos graines et de stocker les graines que vous venez d'échanger. Donc c'est une bonne solution, économique, facile à faire. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger ces modèles sur le site www.autourdupotager.com. Allez-y, c'est gratuit et puis ça vous simplifiera la vie.
Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autour du potager. Au revoir.